Mélène Véretti de la Cour, qui finit hier depuis le 31 août, se trouve à lui. Ça, c'est clair. Moi, j'ai 17 marchands qui, légalement parlant, se fait travailler dans le ruisseau du Pouce. Lola finit la grimette qui se casse pour aller, nous finissons à ce tétal de la gare du Nord. À partir de ça, 17-là, tout ça l'a fait la contrat. Je fais travail depuis l'année passée, je suis obligé d'aller, mon extend ça jusqu'à aujourd'hui. Je suis en idée pour extend ça jusqu'à décembre, mais elle a été dit qu'il tombait, je suis obligé d'aller. Alors, le conseil qui finit décider, à l'unanimité, il va en obligé d'aller. Donc, les officiers, à travers ça qui conseille, finit décider, je descends le terrain, je commence à démolir ben, l'étage-là. Le conseil est suprême, ça. C'est le conseil qui décidait, mais les officiers, je ne prends de décision à travers le conseil, je fais le travail. Ça n'est pas fait guetter du cœur, ça. Ça s'est arrivé, je peux aller. Mais la loi, là, on a KFC qui m'a écrasé, on a EM Rocheuse qui m'a déjà en engagement avec d'autres que vous allez aussi. Et on a Roger aussi, vous allez. Maintenant, si demain, avec changement climatique, si demain, on gagne une inondation, et la Cour décide de vous aller, et moi, mon tchin-tchin, l'eau qui est responsable, c'est ça pour tomber. Pourquoi si je suis une chaise de culpabilité, nous ne connaissons pas pour qui, moment, avec changement climatique, nous gagnons la pluie torrentielle. La qui solution pour ban là, côté cas, mes dieux. C'est qui, ban, mon dieu, là, moi, pour mon fils, je suis tétale, ban là, je suis allé dans un terminal, parce qu'il y a ben, je suis été. Je me sortis là-bas, je me viens ici, nous laissons travailler quand même. Malgré ce que je paie la contrat, mais je travaille.